Non, monsieur. Non, là c'est assez, T'embarques nulle part, toi. Est-ce qu'elle peut me dénommer un petit peu? Ouais, ouais. Tu me menottes pas, là. Maintenant, j'ai fait quoi? Moi, je veux m'en aller. Là, t'as fini. Bon frère. Je t'ai blessé, tu fais comme des... Merci, monsieur l'agent. T'as fini, niaiser. Ah, tu me menottes pas. Là, c'est assez. Non, mais maîtriser, là, c'est quoi, là? Ben, ça me menotte pendant que je t'en... Est-ce qu'il était correct, là? Il était-tu prêt à partir vers le poste? Ben, techniquement, le gars, il a encore sa balle dans lui, là. Je suis tout étourdi, là. Mais je pense que amène-le au poste, puis... Ben, il a quand même été capable de se rendre dehors. Ouais, c'est ça, là. Il va prendre une infection, là, c'est tout. Hey, mon frère, là. C'est bon. Il y a de l'air d'être correct, mais attends une seconde, je vais faire une facture, là, parce que... Ouais, fais rien. Ah, je vais mourir! Pourquoi tu ne lui as tiré dessus? Je vais mourir! Monsieur, pouvez-vous circuler, s'il vous plaît? Je suis mort, je suis mort! Hey, hey, comment tu me fouilles, le gros, man? De quand? 5000. Ouais, 5000 piastres. D'abord, What the fuck? Je vais donner mon nom au mécano. Ah, hey, les polices m'ont donné un joint, mon frère, man. Ben oui, ben oui. Qu'est-ce que ça, ils m'ont donné un joint. Ben monsieur, je suis menotté, comment voulez-vous que j'aille un joint qui a une claque? C'est comment vous fumez un joint menotté, c'est plus ça que c'est ça. C'est bon, la facture est faite, monsieur. Ouais, c'est quand même qui toi? De quoi je suis qui toi? T'es vraiment toi, de quoi tu fais? Ah ouais, je t'en prie. Ton frère, c'est un esti d'attardé. Pourquoi mon frère, c'est un esti d'attardé? Ouais, mais je pense que t'es pas tombé trop loin de l'arbre. Vous chauffez bien quand même. En vrai, c'est... vous avez quand même bien conduit, vous avez perdu une couple de fois. D'ailleurs, je veux pas t'entendre parler. Ouais. Ben, vous êtes pas obligé de m'entendre parler, mais moi j'ai le droit de parler. Je vais vouloir son nom, ok? Oui. Mais qu'on soit dans... Oh, what the fuck? Yo, c'est quoi qui s'est passé ici, man? Yo, what the fuck? Ah, mais c'est l'ambulancier, mais... Monsieur! Le monsieur m'a... Monsieur! What the fuck, gros? Ok, the fuck? Ouais, attends, attends. Policier. Il est encore menotté. Il a le menotté, le gars là-bas, là. Ouais, je l'ai démenotté en plus. Non, il est encore. Ok. Là, lui, il s'est fait poignarder, il mènera sur le champ, là. Ah. Ouais, à côté de l'hôpital en plus. T'as cité les menottes? Ouais. Ouais, c'est bon. C'est qui lui? T'es-tu avec lui? Ouais, c'est mon frère, aidez-le s'il vous plaît, aidez-le! Ouais. Yo, je viens de témoigner une situation genre comme de... je sais pas comment caller ça. Je la suis depuis tantôt, Eduardo B, là, c'est le gars. Ok, t'étais sur ma scène? Ouais, ben quand t'as allé chercher le gars, il a fait du power gaming, puis il parle pendant mon RP, il a fait du scope bait. En fait, il a fait du scope bait. Il a fait du power gaming parce que quand la police... Le gars qui l'ont ramassé, là? Ouais, le gars qui a ramassé, ouais, okay, au lieu de se laisser arrêter... Ouais, ouais, c'est Eduardo Berbé. Il a fait du cop baiting. Ça fait... Son, par trois fois, il est venu voir la police, ok? Puis quand il sauve la police, il retourne pour continuer la poursuite. Fois, je le vois, lui. Mais là, quand je vais dans le log de dossier... Je Quand j'écris log dossier, je vois juste... Pourquoi? C'est new à... Parce que je vois pas qu'il n'y a pas de sanction. Je peux pas croire que ce gars-là, il n'y a pas de sanction. Je dois faire mal les affaires. C'est quoi le rapport? Dans... Ben, parce que t'es dans un hôpital. Ok. Excuse-moi, tu sors ton couteau, ouais. Lui, en tout cas, il a fait du cop baiting. Après ça, dans quand son sol commençait à être pété, ça... Attends, il a fait du cop baiting. Il a fait du... Il a roulé en montagne dans la Bugatti. Il y avait une Bugatti, il est allé en montagne. Après ça, son char commençait à être pété. Il est allé dans son appart, dans sa maison qu'il a acheté pour se cacher. Mais quand t'es lieutenant de police, tu peux défoncer la maison. Là. Fait que les deux agents sont lieutenants, fait qu'ils ont défoncé, il l'a pris.
Le gars, il avait deux gommes pointées sur lui, il a pas voulu coopérer ou quoi que ce soit. Fait que, ben dude, il y a tellement de règlements en frein, man. Moi aussi. Il y a la HRP, il y a bonsoir, HRP conduit, il y a du cop baiting, il y a du power gaming, il y a du no fear. Le gars, t'es-tu sur moi là, live? Le gars en avant de moi, là, il vient de me faire du no pain dread dans ma face là. Ça là, je suis pas que ça s'arrête à 141. Go to 141. Il vient d'embarquer passager dans le Jeep blanc. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a du no pain. Il vient de se faire poignarder devant moi. Puis là, après ça, lui, il se lève là. Puis, ah, moi, je suis correct. Dude, t'as besoin de points de suture. Ah, je vais lui donner des bandages. What the fuck, man? Ok, ça me... Non, mais c'est parce que là... Mais moi, genre... je suis en train de filmer tout ça, là. Fait que là, GoPro, là, William Bérubé, là, ce gars-là, là, parce que c'est William Bérubé, là. Le okay, premier, est... là? Ben, le gars qui a eu le coup de couteau, là. Je pense que c'est William Bérubé. Lui qui était avec moi, là, que j'ai réanimé. Ouais. Okay. Non, celle que t'as réanimé, c'est Eduardo. Le premier dude qui est arrivé, c'est Eduardo Bérubé. Il est même pas dans Popu RP. Je regarde son dossier joueur, je peux pas croire que ce gars-là, il a pas de sanction. Après ça, t'as William, William Bérubé. Il est pas dans Popu RP. Moi, je commence à kick du monde, je m'en calisse. Go. À part si c'est dans une scène, là, lui qui est dans une scène avec la police, laisse-le finir sa scène. Non, lui, je l'attends à pied ferme, man. Ah ouais, lui... Ok. Je commence. Oups, c'est... Antonio Salvarez, ok, il est là, c'est bon. Sont-tu tout au poste? Ah ouais, il est pas dans Popu RP, là, je l'ai dit pour William dire que tu viens. Il est pas là. Attends, ouais, c'est ça, il est pas... William Bérubé, que c'est un problème, puis... Ouais. Il est tout Bérubé, c'est lui le pire. Il enfreint 5 règlements, je le bannerai ici, man. Il y a pas d'affaire d'avoir des abois. Ouais, non, okay, mais non, tu sors pas ton letter. Pour sortir ton letter, parce que moi, c'est un Popu. Non. Et William... Mais Eduardo Bérubé, d'où j'y donnerais un ban, genre, fuck ta soirée de GTA, man. Va réfléchir, ouais, ouais. Gamin, man. Ouais, là, il était assez... Je sais pas. De toute façon, vous avez de la chance pour faire avec avocat. Genre, c'est... Ah, c'est le fun, c'est votre frère, il peut pas vous représenter. C'est vrai. Ben, il est avocat, fait que s'il est avocat, il a le droit de venir. Ben, non, c'est un conflit d'intérêt. Ensuite, téléphone, radio, plus besoin de ça. Ok, puis mon cousin, il a le droit de venir? Non. Mon cousin, il a pas le droit d'avenir. Non, c'est un conflit d'intérêt. Et puis mon ami, lui. Un avocat, c'est fait qui est pas supposé avoir de parti pris, donc... De parti. Pris. Oui, de parti pris. Ouais, c'est vrai. Mm. Bon, le reste, c'est pas mal beau, ça. Vous avez de quoi manger. Pas mal, ça. Mais j'ai un autre avocat que c'est mon grand ami, là, fait que... Ben, encore là, c'est votre grand ami. Ben oui, c'est juste un ami, il n'y a pas de cousin-cousine, fait qu'il peut venir. Ben, si on appelle les avocats pis il répond, oui, il va pas venir, mais s'il répond pas... S'il est éligible au barreau aussi. C'est ça. Sinon... Hey, excuse! Trop instruit bon. Par vous. Ouais. Non, je parle pas à toi, je parle... Monsieur William Bigby, c'est bien toi, là? J'aimerais ça que tu viennes... J'aimerais que tu viennes en salle de soutien, genre live. Pourquoi? Parce que, un, t'es pas popu RP, pis deux, t'as fait des affaires que ça pas rapport. Fait que, puis t'es pas popu RP, fait que je peux pas le move. C'est un règlement de base dans un serveur. Fait que, let's go. Attends, faut que je vienne où? En soutien. C'est bien avec le gars avec le chandail blanc? Ou c'est la veste rouge qui a fait du snowpain? Un chandail noir, petit blanc. Parfait. Le pas de chapeau, là. Bon. Hey, vous êtes drôle, monsieur, ça n'a pas de sens. Vous auriez déjà aller dans l'humour à la place d'aller dans le criminel. Hey, il va moins rire, mais c'est un présent dans le criminel. Des compagnies pétrolières. Ouais, ça se peut que vous la perdiez avec ce que vous venez de faire. Oui. Ah non, je suis patron, fait que je pense pas. Puis de toute façon, je suis payé pour que tout le monde. Ah ouais, puis le syndicat va accepter parfait. Ça, un patron qui se fait arrêter. Ah, j'ai 32 milliards de fortune personnelle. Je l'ai on peut-tu avoir une carte d'identité, merci. Attends un peu, je vais baisser mes bobettes. Ah, c'est plate, vous pouvez pas. Ben oui.
Faut-vous remettre vos gilets, là, qu'on rajoute pas une charge d'unité à public? Une charge d'agression sexuelle, ça vous tend dessus? Agression sexuelle, ouais, je sais même pas que je suis le ben, vous savez que montrer ses parties à quelqu'un qui veut pas les voir ben peut être considéré comme une agression sexuelle. D'après vous, je peux pas les baisser, fait que là, tu te contredis, fait qu'il est calme. Ben, remettez vos gilets ben, après avoir nudité en public, merci. Nudité, ben non, je suis encore en ma bête. C'est considéré comme nudité en public. Non. Mon oui. Avocat, il l'a pas dit. Bon, t'en remets toutes tes affaires, là. Vous savez quel temps qu'on glande ici, le temps de la prison, il passe pas. C'est vous autres qui le perd. Moi, je suis pas pressé. Moi non plus. Ah, oh, une carte d'identité. Eduardo Berube. C'est pas moi. C'est bizarre, mais ça me dit que vous êtes canadien. Okay. Fait que vous voulez, vous vivez sûrement pas en Floride. Ben oui, je vais en Floride. Ben ouais, à longueur d'année. Ouais. Bon, okay. Par exemple, monsieur va perdre son permis certain. En fait, non, pas longueur d'année, je suis là 6 mois, tu sais, parce que c'est le nombre maximal de temps que tu peux aller dans un autre pays étranger. Puis j'ai pas le goût de faire ma demande de carte verte parce que je l'ai pas faite encore. Au fond, je la fasse, c'est une bonne idée. Savez-vous que ça serait plus rentable pour vous de mettre vos impôts aux États-Unis, ça vous coûterait moins cher. De quoi? Mettre vos impôts aux États-Unis. Ça coûterait moins cher. Je fais que j'en ai rien à chier. Quand bon, mais justement, c'est justement, parce que c'est encore riche, plus t'es riche, plus t'en veilles. Ben, je m'en calisse, plus je suis riche, fait que non. Je m'en calisse ce que je paye. C'est toi, 5 000 $ pour toi, c'est cher, mais pour moi, c'est genre 50 000 $. Bon. Attends, 100 000 $ pour toi, c'est cher? On va appeler l'avocat. Ouais, 100 000, c'est cher, moi, c'est comme 100 pièces. Tu t'as dit ce qu'il y a dans mon compte? Un beau gros zéro. Un bon gros 10 millions. Bon, on va lancer là notre attendant l'avocat. Laisse fouiller. Oui, c'est tout est fait, ça. Juste à me suivre. Ouais. La poutine, c'est moi. Elle est un peu frette, là, toute fondue, c'est pas grave. Ouvre la petite porte. C'est... Pour aller ici, dans la forêt. Non,